empêché mon pauvre bateau de prendre l'eau et de couler. Montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour le calmer. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Jamais autant aimé. Sur le cap enragé, elle guette avec les yeux abandonnés. Envoyer une prière avec une voile désespérée. Si seulement je pouvais te faire comprendre la vérité. Montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour le calmer. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Jamais autant aimé. Du cap enragé, qu'au large du cap enragé, oh ma 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 yeah, oh yeah, oh ma 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 yeah, oh yeah, oh. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Allô. C'est un nid, son prénom. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ben, c'est pas une chanson qui me touche, moi, mais elle l'interprète bien. Mais c'est parce qu'elle a le petit truc qu'on n'a pas au Québec. J'entends, nous autres, nos notes sont assez... les Américains font plus ça. Ils font des espèces de petits riffs, des petits glissando, puis quand Zachary fait ça, c'est bien, ça fait fondre tout le monde. Elle l'a naturelle, ça. C'est très, très, très rare au Québec. Les Noirs l'ont plus ici, parce qu'ils ont chanté beaucoup de gospel dans les églises. Puis les Acadiens aussi de la rue. Puis les Acadiens, mais oui, forcément, ils l'ont plus. Je suis surpris d'entendre ça. Je trouve ça très, très, très beau. Ce tune-là gagnerait peut-être juste à éventuellement être monté dans le mi-ton, juste que plus twerker un petit peu plus quand c'est le temps de twerker. Ça l'aiderait un petit peu plus à sortir de sa bulle, mais c'est très beau. Mais c'est très personnel, je trouve. Non, c'est plus gospel, blues. Quand on en fait trop, on appelle ça des vocal Olympics. Des olympiques de vocales. Il y en a qui n'arrêtent pas. Britney est en main. Whitney est en main, mais des fois, trois octaves, ça devient un peu fatigant, c'est à la limite. Mais quand tu mets juste un petit peu discret comme ça... Elle est une bonne twig, cette petite. Oui, mais c'est les Acadiens américains qui font ça. Les Acadiens, les Canadiens, on ne fait pas ça, nous autres. Les chanteurs ne font pas ça. C'est une culture très anglophone. Puis ça me surprend un peu, je trouve ça beau. C'est magnifique. Je travaillais avec Zachary Richard l'année passée, puis il me contait comment il a composé ça, cette affaire-là. C'est les Acadiens qui l'ont amené, voilà ça, le Cap-Arrangé. Ah oui, c'est le
est allé voir ça, puis il paraît que c'est bien spectaculaire. Jamais été, moi, d'un cap qui s'avance dans l'air. En revenant, la tournée écrite. Voyage de char 2 heures. Allô, bonjour. 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 Ça va? Et toi? Oui. Ouais. Pourquoi ouais? Ouais, ça va bien. Je suis stressée un petit peu, là. Ça va passer. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Charles? Je vais faire Avec le temps. OK. De Léo Ferré.